Praise the Lord. Gloire à Dieu. Welcome to this mighty and glorious teaching. Bienvenue à cet enseignement puissant et glorieux. On the Holy Communion. Sur la Sainte Communion. And the rapture. Et l'enlèvement. This is a mighty revelation. C'est une grande révélation. That the Holy Spirit has given me regarding the Holy Communion. Que le Seigneur m'a donné regardant la Sainte Communion. In other words, also called the Last Supper. En d'autres mots, ça s'appelle aussi le dernier souper. And the rapture of the church. Et l'enlèvement de l'Église. Now, this teaching has several parts. Alors, cet enseignement a plusieurs parties. And the more it advances, the deeper it gets. Le plus ça avance, et le plus ça deviendra profond. But again, as it advances, you see lots of deep revelation. Et encore, alors que ça avance, vous allez voir de profondes révélations. Deeper insights. Plus grande perspective. Into the Holy Communion, the covenant. Dans la Sainte Communion, l'alliance. That the Lord Jesus had with the church. Que le Seigneur Jésus a eu avec l'Église. Even before he went and died for the sins of the world. Même avant qu'il soit allé mourir pour les péchés du monde. And resurrected. Et qu'il soit ressuscité. And went to sit at the right hand side of the Father, our Lord in heaven. Et qu'il soit allé s'asseoir à droite de notre Père dans les cieux. Now, just to begin as a background here in this mighty teaching. Maintenant, juste pour commencer comme un fond de ce puissant enseignement. Looking at the Holy Communion. Regardons à la Sainte Communion. And the rapture of the church. Et l'enlèvement de l'Église. I want to mention a few things about the Holy Communion and the rapture. J'aimerais mentionner un peu de choses à propos de la Sainte Communion et de l'enlèvement. How is the Holy Communion related to the rapture of the church? Comment la Sainte Communion est en relation avec l'enlèvement de l'Église? Now we all know that the Holy Communion. Maintenant, nous savons tous que la Sainte Communion is a very central part of church. C'est une partie très centrale dans l'Église. Even part of the practice in the house of the Lord. Même une partie de la pratique dans la maison du Seigneur. Because the Holy Communion. Parce que la Sainte Communion is the one that reminds us of the mighty covenant of the blood of Jesus. Est celle qui nous rappelle la puissante alliance du sang de Jésus. It is that moment that also reminds us. C'est aussi ce moment qui nous rappelle of the blood that Jesus shed. Que à propos du sang que Jésus a versé. For the church. In order to purchase her, pour l'Église, dans le but de la racheter, so she can be a perfect bride unto him, et elle peut être sa parfaite épouse, on the day of the rapture, au jour de l'enlèvement. But we also know that the Holy Communion, nous savons aussi que la Sainte Communion, is a pre-wedding covenant, c'est une pré-mariage alliance, that the Lord Jesus he had with the church. Que le Seigneur Jésus a eu avec l'Église. His bride. Son épouse. Just to reflect on it a little bit. Juste pour méditer là-dessus un peu. Our lead scripture today. Notre écriture guide aujourd'hui. In this teaching. Dans cet enseignement. Is going to be on the book of Luke. Va être dans l'évangile de Luc. Again, the lead scripture. Encore, l'écriture guide. In this teaching. Dans cet enseignement. Is going to come from the book of Luke chapter 22. Va venir de l'évangile de Luc chapitre 22. Verses 7 to verse 13. Verset 7 au verset 13. And as I look at the Holy Communion. Et comme je regarde à la Sainte Communion. I'm going to examine several very important elements of the Holy Communion. Je m'en vais examiner plusieurs éléments importants de la Sainte Communion. I'm going to dissect it for you, open it for you, even in the Holy Spirit. Je m'en vais disséquer pour vous, l'ouvrir pour vous, même dans le Saint-Esprit. There are several elements of the practice of the Holy Communion. Les nombreux éléments dans la pratique de la Sainte Communion. In the church. Dans l'Église. As ordained by the Lord God our Father in heaven. A été ordonné par le Seigneur Dieu, notre Père qui est aux cieux. And then at that moment. Et ensuite, à ce moment. I'll look back to the time of the Passover. Ensuite, à ce moment, je vais retourner au temps de la Pâque. During the feast
of the unleavened bread, pendant la fête des pains sans levain, that our Lord God ordained, que notre Seigneur Dieu a ordonné, he ordained unto Israel when Israel was in Egypt, a ordonné à Israël quand Israël était en Égypte, during the moment when Israel was being liberated from slavery, pendant le moment où Israël était libéré de l'esclavage, the 430 years of slavery, 430 ans d'esclavage, the Lord he ordained the feast of the unleavened bread. Le Seigneur, il a ordonné la fête des pains sans levain. And we'll look at the events during Passover. Et nous voulons regarder à la fête de la Pâque. And how at that time the Lord God in heaven, et comment dans ce temps où notre Seigneur Dieu dans les cieux was essentially speaking a prophecy to the church of Christ, était essentiellement en train de dire une prophétie à l'église de Christ, he was essentially revealing to the church that which she needs to do, il était essentiellement en train de dire à l'église ce qu'elle avait besoin de faire. So look at the specific elements of the Holy Communion. Alors je veux voir les éléments spécifiques de la Sainte Communion. And the Passover. Et la Pâque. And then the deep revelation that's embedded in thereof. Et aussi la profonde révélation qui est intégrée là-dedans. To the church. Pour l'église. Especially for such a time as this during the rapture of the church. Et spécialement pour un temps tel que celui qui concerne l'enlèvement de l'église. And again, our lead scripture here is the book of Luke, chapter 22. Et encore, notre écriture guide ici est dans l'évangile de Luc, chapitre 22. Verses 7 and 13. Versets 7 à 13. Looking at the Holy Communion, the Last Supper. Regardant la Sainte Communion, le dernier souper. This is what he says. Voilà ce qu'il dit. Then came the day of the unleavened bread. Le jour des pains sans levain. On which the Passover lamb had to be sacrificed. Où l'on devait immoler la Pâque arriva. You begin to understand right away. Vous commencez à comprendre juste là. That when he is coming to talk about the Holy Communion. Quand il vient à parler de la Sainte Communion. He talks about the day of the unleavened bread. Il parle à propos du jour des pains sans levain. He begins to talk about the unleavened bread, and I'll spend quite a bit of time revealing to you. Il commence à parler à propos des pains sans levain, et je veux bien passer un peu de temps à vous révéler why, when it comes to the Holy Communion, pourquoi, quand il s'agit de la Sainte Communion, the Lord, he begins to talk about the unleavened bread. Le Seigneur, il commence à parler à propos du pain sans levain. And then after that, et ensuite, après ça, he also talks about when the Passover lamb had to be sacrificed. Il parle aussi à propos de quand l'agneau de Pâques a à être sacrifié. So he talks about two events there right away. Il parle à propos de deux événements ici, justement. He talks about two main features of the Holy Communion. Il parle à propos de deux traits importants dans la Sainte Communion. And the first feature he's talking about, et la première particularité est en train de parler à propos, is the unleavened bread, du pain sans levain. And then the next feature he's talking about, et ensuite la particularité suivante parle de, is the Passover lamb, c'est l'agneau pascal. Again, the first element he talks about, encore le premier élément parle à propos, is the presence of the unleavened bread, which stands for holy bread. C'est la présence du pain vivant, du pain saint. Very soon I will speak with you. Très prochainement, je vais parler avec vous. In greater depth about the unleavened bread. D'une manière plus profonde à propos du pain vivant. And then after that, it talks about the Passover lamb. Et ensuite, après ça, il parle à propos de l'agneau pascal. That has to be sacrificed. Qui a à être sacrifié. And that's why he says. Et c'est pourquoi il dit. Then came the day of the unleavened bread. Ensuite vient le jour du pain sans levain. On which the Passover lamb had to be sacrificed. Où l'agneau pascal a à être sacrifié. Jesus sent Peter and John saying. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, go and make preparations for us to eat the Passover. Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Verse 9, where do you want us to prepare for it? They asked. Verset 9, ils lui demandèrent, où veux-tu que nous la préparions?
He replied, il leur répondit, as you enter the city, a man carrying a jar of water will meet you. Voici, quand vous serez entré dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Follow him to the house that he enters. Suivez-le dans la maison où il entrera. And say to the owner of the house, et vous direz au maître de la maison, the teacher asks, le maître te dit, where is the guest room where I may eat the Passover with my disciples? Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? He will show you a large upper room. Et il vous montrera une grande chambre haute. All furnished, make preparations there. Meublé, c'est là que vous préparerez la Pâque. You begin to see right away the revelation that's embedded within the Holy Communion, the Last Supper. Commencez à voir juste là la révélation qui est intégrée dans la Sainte Communion, le dernier repas. You see that when it comes to the Holy Communion, vous voyez là quand il s'agit de la Sainte Communion, the Lord is talking about unleavened bread. Le Seigneur est en train de parler de du pain sans levain, which is holy bread. Qui est du pain saint. And then he talks about the sacrificing of the Passover lamb. Et ensuite, il parle du sacrifice de l'agneau pascal. And after that, as you go down, he says, et après ça, quand vous allez plus loin, il dit, Peter, and you're going to the city, you will meet there a man carrying a jar of water. Pierre et Jean, allons dans la ville, vous allez rencontrer un homme portant une cruche d'eau. So right away you begin to understand, juste là, vous commencez à comprendre, that the Holy Communion essentially speaks about divine appointment. Que la Sainte Communion essentiellement parle à propos d'un divin rendez-vous. There is a divine appointment here. Il y a un rendez-vous divin ici. There is a divine appointment. C'est un rendez-vous divin. That the church has with the Lord and the Holy Spirit. Que l'Église avec le Seigneur et le Saint-Esprit. When it comes to the Passover, it speaks about the divine appointment. Quand il s'agit de la Pâque, il parle à propos d'un rendez-vous divin. The church has. Que l'Église a. With the Holy Spirit. Avec le Saint-Esprit. And down there, what do you see? Et plus bas, qu'est-ce que vous voyez? He will show you an upper room. Il veut vous montrer une chambre haute. Now that's the first time the Lord is already talking about the upper room to the church. Alors c'est la première fois que le Seigneur est en train de parler d'une chambre haute pour l'Église. I'm just breaking it for you bit by bit. Je suis juste en train de casser pour vous morceau par morceau. Into specific elements to help you understand where I'm heading with you. Pour vous aider à comprendre où est-ce que je vais vous emmener. With this teaching. Avec cet enseignement. And so he's talking about the upper room now. He says there is going to be a divine appointment. Alors il est en train de parler de la chambre haute maintenant. Il dit, il va y avoir un rendez-vous divin. You're going to meet a man carrying a jar of water. Water is very critical. Water is a symbol of the Holy Spirit. Vous allez rencontrer un homme portant une cruche d'eau. L'eau est très importante. C'est un symbole du Saint-Esprit. And this divine appointment, this man that you meet, et ce rendez-vous divin, cet homme que vous rencontrez, will take you to a place and then the owner of the house will show you an upper room. Vous amenez à une place et ensuite le propriétaire de la maison va vous amener dans une chambre haute. Now that is a place of divine appointment if you remember very well. Alors, ça c'est une place de rendez-vous divin si vous vous souvenez très bien. Between the church and the Holy Spirit, the upper room. He's talking the upper room to the church. Entre l'Église et le Saint-Esprit, la chambre haute, il est en train de parler de la chambre haute de l'Église. And after that, et après cela, you see that he says he will show you a room that is well furnished. Il va vous montrer une chambre qui est très bien meublée. Make preparations there, which means there is a room that is going to be prepared already. Vous préparerez. Ça signifie qu'il y a une chambre qui est déjà préparée. In other words, Christ is already at Holy Communion. Dans d'autres mots, Christ est déjà à la Sainte Communion. Hinting to the church about his exit. Laissant entendre à l'Église à propos de sa sortie. How he is going to exit the scene, the world. Comment il va sortir de la scène, le monde.
And he's going to be able to go up and make preparations of a furnished room. Et il va être en mesure de monter et de faire la préparation dans la chambre meublée. You see what is embedded in all this scripture on the Holy Communion. Vous voyez ce qui est intégré dans toute l'écriture à propos de la Sainte Communion. And so surely we need the wisdom of the Holy Spirit. Et alors, certainement, nous avons besoin de la sagesse du Saint-Esprit. To be able to understand every little message that's embedded within the scripture. Pour être capable de comprendre chaque petit message qui est intégré dans cette écriture. He's talking about the unleavened bread. Il est en train de parler du pain vivant. He's talking about the sacrificing of the Passover lamb. Il est en train de parler du sacrifice de l'agneau pascal. Alléluia. Alléluia. And then he's talking about. Et ensuite, il parle à propos. The divine appointment. Going to the city, you'll meet a man. Le rendez-vous divin. Allez à la ville et vous allez rencontrer un homme. That man was already set up. Cet homme aura déjà préparé. The church has been set up with a man. L'église a été préparée par un homme. Water, the Holy Spirit, carrying a jar of water. L'eau du Saint-Esprit. Il porte une jarre d'eau. And he will show you the upper room. Et il va vous montrer la chambre haute. Alléluia. Alléluia. The upper room being the most important indication, the prophecy the Lord is speaking about. La chambre haute étant la plus importante indication, la prophétie dont le Seigneur est en train de parler. The visitation of the Holy Spirit unto the church. La visitation du Saint-Esprit sur l'Église. The day of Pentecost. Le jour de Pentecôte. So when it comes to the Holy Spirit, quand il s'agit du Saint-Esprit, he's already speaking to the church about the upper room. Il parle déjà à l'Église à propos de la chambre haute. And take it to another level, he said. Et en le mettant dans un autre niveau, il dit, he will show you a large room well furnished. Il veut vous montrer une large chambre bien meublée. Now, that is the next level. Maintenant, c'est le niveau suivant. In which the Lord is hinting the church about his exit. Dans lequel le Seigneur fait entendre à l'église à propos de sa sortie. And he's saying, et il dit, he is going to exit the scene. Il va sortir de la scène. And go prepare a well-furnished place for the church. Et aller préparer une place bien meublée pour l'église. Alléluia. Alléluia. And he says, he will show you a large upper room, verse 12. Et il dit, il va vous montrer une large chambre haute, le verset 12. All furnished, make preparations there. Une grande chambre haute meublée, c'est là que vous préparerez la Pâque. They left and found things just as Jesus had told them, so they prepared the Passover. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. When the hour came, Jesus and his apostles reclined at the table, and he said to them, I have eagerly desired to eat this Passover with you before I suffer. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. So you see there, it's a moment of anticipation. Alors vous voyez là, c'est un moment d'anticipation. It's a moment of eagerness. C'est un moment d'empressement. I have waited. I've been so eager, I've eagerly waited for this moment. J'ai attendu, j'ai été si empressé, j'ai attendu ardemment ce moment. The Holy Spirit becomes a place of anticipation. Le Saint-Esprit devient une place d'anticipation. When it comes to the Holy Communion. Quand la Sainte Communion vient. Now the Lord is talking about, I anticipated, I've eagerly waited, I've been anticipating. J'ai anticipé, j'ai passionnément attendu. J'ai été en train d'anticiper. Alléluia. Alléluia. This moment when I can eat with you this Passover. Ce moment quand je peux manger avec vous cette Pâque. For I tell you, I will not eat it again until it finds fulfillment in the kingdom of God. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. He is now already hinting on the rapture of the church. Il leur fait maintenant comprendre à propos de l'enlèvement de l'église. Because he says you will not eat again. Parce qu'il dit, je ne veux pas en manger encore. And in other scriptures also in the Bible it says, I will not drink again
of the fruit of this vine. Et dans une autre écriture dans la Bible, il dit je ne vais pas en boire encore de ce vin. Until it finds fulfillment in the kingdom of God. Avant que ce soit accompli dans le royaume de Dieu. Or eat again this supper with you. Ou bien manger encore ce souper avec vous. Until it finds fulfillment in the kingdom of God. Avant que ce soit accompli dans le royaume de Dieu. In other words, the Lord is hinting on the book of Revelation. En d'autres mots, le Seigneur nous fait comprendre dans le livre de l'Apocalypse, chapter 19, le chapitre 19, verses 7 all the way to 9, but especially verse 9, le verset 7 à 9, mais spécialement le verset 9, where he says, où il dit, the angel said to me, write, blessed are those who are invited into the wedding supper of the Lamb of God. L'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau de Dieu. So you see that the Holy Communion, alors vous voyez que la Sainte Communion is very much tied, est très liée into the rapture of the church, à l'enlèvement de l'Église. Because it is at the Holy Communion, parce que c'est lors de la Sainte Communion, that the Lord is making promises to the church, que le Seigneur a fait des promesses à l'Église, that he will not eat again of this, qu'il ne mangera plus de ceci, or he will not drink again from the fruit of this vine, ou qu'il ne boira plus du fruit de ce vin, until it is fully accomplished and fulfilled, avant que ce soit pleinement accompli, in the kingdom of God, dans le royaume de Dieu. At this juncture, I just want to highlight the following. À cette jointure, je veux juste donner une explication. That the Holy Communion, que la Sainte Communion, at the Holy Communion, à la Sainte Communion, Christ, when he met his bride, mais quand il a rencontré son épouse, at that time he lived in that culture, the Hebrew culture. Dans ce temps, il vivait dans cette culture, dans la culture hébraïque. And in the Hebrew culture, when a young man is going to marry, et dans la culture hébraïque, quand un jeune homme va se marier, and he finds his bride, et quand il a trouvé son épouse, he takes the bride to the parents, il amène la fille chez les parents, her parents, les parents d'elle, and they drink from the same glass of wine, et ils boivent dans le même verre de vin, red wine, du vin rouge, as a sign of pre-wedding covenant, comme un signe d'alliance de pré-mariage, of faithfulness, de fidélité. It is like, will you remember me? Will you wait for me? C'est comme, est-ce que tu vas te souvenir de moi? Est-ce que tu vas m'attendre? That is what you can translate in modern day language. Et ça, c'est ce que vous pouvez traduire dans un langage moderne. As the pre-wedding engagement ring or covenant. Comme un anneau d'engagement, d'alliance, de pré-mariage. And so you see that already at the time when he finds the church. Alors vous voyez que déjà au moment où il trouve l'église, he does the same thing with the church, his bride. Fait la même chose avec l'église, son épouse. He already brings out the glass of wine which you are going to see here. Il apporte déjà le verre de vin que vous allez voir ici. And he's eating this pre-wedding covenant. Et il mange ce pré-mariage alliance. He's going into this covenant with her. Il va à cette alliance avec elle. And he said, I will not eat it again. Il dit, je ne veux pas en manger encore. Until it finds fulfillment in the kingdom of God. Avant que ce soit accompli dans le royaume de Dieu. In other words, until the day of the wedding supper of the Lamb of God. En d'autres mots, jusqu'au jour des noces de l'agneau de Dieu. Immediately after the rapture has taken place. Alléluia. Immédiatement après que l'enlèvement ait pris place. Alléluia. And look at this, somebody. Et regardez ça. He says, verse 17, after taking the cup, he gave thanks and said, take this and divide it among you, for I tell you, I will not drink again of the fruit of the vine until the kingdom of God comes. Il dit au verset 17, et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. So you see that he is now connecting the last supper with the rapture of the church. Alors, vous voyez que maintenant il est en train de connecter le dernier repas avec l'enlèvement de l'église. Because the kingdom of God will only come
when the rapture of the church takes place. Parce que le royaume de Dieu viendra seulement quand l'enlèvement de l'église aura pris place. That's when the church is fully, completely redeemed. C'est quand l'église est entièrement, complètement rachetée. The holy and glorious church. L'église sainte et glorieuse. That is the bride of Christ, the holy church. Qui est l'épouse de Christ, la sainte église. That's when she is redeemed and enters into the kingdom of God. C'est quand elle est rachetée et entre dans le royaume de Dieu. So the kingdom of God becomes established in the church. Alors le royaume de Dieu devient établi dans l'église. Alléluia. Alléluia. And that happens at rapture. Et ça, ça arrive à l'enlèvement. No wonder even during the second coming of Christ. Pas étonnant que pendant la deuxième venue de Christ, it is the raptured saints that come back with the Lord. Ce sont les saints qui ont été enlevés qui reviennent avec le Seigneur. On the Mount of Olives, 7 years after the rapture. Au Mont des Oliviers, 7 ans après l'enlèvement. And he said that he took the bread and gave thanks and broke it. And he gave it to them saying, this is my body given for you. Do this in remembrance of me. Et il a dit, et il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps, est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. You see that? Vous voyez ça? So he is talking about the breaking of his body. Il parle à propos du brisement de son corps. And that as we eat and partake of the Holy Communion, et lorsque nous mangeons et participons à la Sainte Communion, we should do this in remembrance of our Lord Jesus. Nous devons le faire en souvenir de notre Seigneur Jésus. So you already begin to understand that the Holy Communion has everything to do with the rapture. Alors vous commencez à comprendre déjà que la Sainte Communion a tout avec l'enlèvement. Because he's telling us to develop an everlasting covenant of faithfulness with him. Parce qu'il est en train de nous dire que pour développer une alliance éternelle avec lui, pre-wedding covenant, une alliance de pré-mariage, and to keep remembering him, a covenant of faithfulness, et pour continuer de se souvenir de lui dans une alliance de fidélité, until the day of the wedding of the Lamb of God, jusqu'au jour aux noces de l'agneau de Dieu. Alléluia. Alléluia. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you." Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. But the hand of him who is going to betray me is with mine on the table. Cependant, voici la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. So it goes on and on, but I want you to understand one thing. Alors il continue et il continue, mais j'aimerais que vous compreniez une chose. The Lord was developing a pre-wedding covenant with the church. Le Seigneur était en train de développer une alliance de pré-mariage avec l'Église. Let me break this to another level today. Laissez-moi couper ça dans un autre niveau. To bring it to another level. Pour vous amener dans un autre niveau. We have mentioned a few things here. Nous avons mentionné quelque chose ici. That when it comes to the Holy Communion, que quand il s'agit de la Sainte Communion, the Lord now begins to talk about the unleavened bread. Le Seigneur ici commence à parler à propos du pain sans levain. And the Passover lamb. Et de l'agneau pascal. How about in the Old Testament? Comment à propos dans l'Ancien Testament? What is it that the Lord spoke to the nation of Israel? Qu'est-ce que le Seigneur disait à la nation d'Israël? When they were in slavery. Quand ils étaient en esclavage. That constituted the Passover feast. Ça constituait la fête de Pâques. That constituted the time at which the Passover lamb had to be sacrificed. Ça constituait le temps où l'agneau pascal avait à être sacrifié. What is it that we see there in the Old Testament? Qu'est-ce que nous voyons ici dans le Nouveau Testament? During the releasing of Israel from slavery. Pendant la libération
d'Israël, de l'esclavage. That was speaking prophecy to the church. Qui donnait une prophétie à l'église. And what was the message given to the church? Et quel était le message donné à l'église? We all know that in Egypt, nous savons tous que en Égypte, Israel had to be delivered from slavery. Israël a dû être délivré de l'esclavage. In Egypt, there were many gods being worshipped. En Égypte, il y avait beaucoup de dieux qui étaient adorés. So Jehovah had to deliver Israel from Egypt, where many gods were being worshipped. Alors, Jéhovah Dieu a délivré Israël de beaucoup de dieux qui ont été adorés. And now we see that that deliverance took place at a specific time. Et maintenant, nous voyons que cette délivrance prend place en un temps très spécifique. When the Passover lamb had to be sacrificed. Quand l'agneau pascal à être sacrifié. And the blood became a very instrumental piece. Et le sang devient une pièce très contributive. A centerpiece in the deliverance of Israel, the blood of the lamb. Une pièce centrale dans la délivrance d'Israël, le sang de l'agneau. Delivering Israel to go worship the Lord. Délivrant Israël pour aller adorer le Seigneur. Into the land of the promise. Dans le pays de la promesse. And yet we are aware. Et maintenant nous sommes au courant. That the church of Christ today. Que l'église de Christ aujourd'hui. Is living in a spiritual Egypt. Est en train de vivre dans une Égypte spirituelle. And again the blood of the lamb. Et encore le sang de l'agneau. The Passover lamb that is Christ. L'agneau pascal qui est Christ. Is the one that delivers the church from this Egypt. Where there are many gods being worshipped. Et celui qui délivre l'église de cette Égypte où beaucoup de dieux sont adorés. But let's look at the book of Exodus for further revelation here, precious people. Alors regardons dans le livre d'Exode pour d'autres révélations ici, précieux peuple. The book of Exodus chapter 12. Le livre de l'Exode chapitre 12. What is it here that the Lord is speaking to the church on the rapture? Qu'est-ce qu'il y a ici dont le Seigneur parle à l'Église à propos de l'enlèvement? That he placed in Exodus chapter 12. Qu'il place dans Exode chapitre 12. Again, the title is Passover, Exodus 12. Encore, le titre est la Pâque. Exode 12. He says, the Lord said to Moses and Aaron in Egypt, this month is to be for you the first month of your year. Tell the whole community of Israel that on the 10th day of this month, each man is to take a lamb for his family, one for each household. Il dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. If any household is too small for a whole lamb, they must share one with their nearest neighbor, having taken into account the number of people there. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. You are to determine the amount of lamb needed in accordance with what each person will eat. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Verse 5. The animals you choose must be year-old males without defect. Verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. You see, very clearly, he is already defining the character of the Passover lamb. Vous voyez clairement qu'il définit déjà le caractère de l'agneau pascal. And he says, and you may take them from the sheep or from the goat. Verse 6, take care of them until the 14th day of the month, when all the people of the community of Israel must slaughter them at twilight. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Then they are to take some of the blood and put it on the sides and the tops of the door frames of the houses where they eat the lambs. Hallelujah. On prendra de son sang
et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons et on le mangera. Alléluia. He's already mentioning the blood. Il mentionne déjà le sang. And he says, that same night, they are to eat the meat roasted over the fire, along with bitter herbs and bread made without yeast. Il dit, cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. He says, do not eat the meat raw or cooked in water, but roast it over fire. Heads, legs and inner parts, do not leave any of it until morning. If some of it is left till morning, you must burn it. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. This is how you are to eat it, with your cloaks tucked into your belt, your sandals on your feet, and your staff in your hands. Eat it in haste, it is the Lord's Passover. Quand vous le mangerez, vous aurez vos ringsins, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. I want to mention just a few things here. J'aimerais mentionner juste un quelque chose ici. He says, when it comes now to the Passover, what the Lord God was ordaining to the nation of Israel. Il dit, quand il s'agit maintenant de la Pâque que le Seigneur avait ordonné à Israël, at the time when they were to be delivered from slavery, au temps où ils ont été délivrés de l'esclavage, he talks about bread without yeast, il a parlé de pain sans levain, and the Passover lamb, et d'un agneau pascal. And then, at the same time, et ensuite, pendant le même temps, he gives the character traits of the Passover lamb. Et dans le même temps, il donne le caractère, les traits de caractère de l'agneau pascal. He said, the Passover lamb must be a lamb that is perfect without defect. Il a dit, l'agneau pascal doit être parfait et sans défaut. Alléluia. Alléluia. And there is the sacrificing of the Passover lamb. Et il y a un sacrifice de l'agneau pascal. And the blood of the lamb. Et le sang de l'agneau is to be used to cover the entrance, the houses, in other words, the doorposts. Doit être utilisé pour couvrir le linteau de la porte. As he continues here, precious people. Alors il continue ici, précieux peuple. He talks about the bread without yeast and the bitter herbs. Il parle à propos du pain sans levure et des herbes amères. I'm going to break down each one of them for you today. Je veux les partager un peu pour vous aujourd'hui. So you may be able to understand what is it that is in this scripture of Exodus. Pour que vous puissiez être en mesure de comprendre qu'est-ce qu'il en est de cette écriture de Exode. Chapter 12. Chapitre 12. About the Passover that so much speaks to the church. À propos de la Pâque qui parle tellement à l'église. About the Holy Communion. À propos de la Sainte Communion. And consequently about the rapture of the church. Et en conséquence, à propos de l'enlèvement de l'Église. One thing I wanted to know is that the revelation that is embedded in the Holy Communion. Une chose que j'aimerais que vous sachiez, c'est que la révélation intégrée dans la Sainte Communion surely speaks about the rapture of the church. Certainement parle à propos de l'enlèvement de l'Église. And within the same Holy Communion that you see Jehovah had ordained. Et à l'intérieur de la Sainte Communion que vous voyez Jéhovah a ordonné. To the Hebrew people. Au peuple hébreu. You see so much about the promise to restore them, restoration. Vous voyez tellement à propos de la promesse de les restaurer, la restauration. And there are two levels of restoration he's talking about here. Et il y a deux niveaux de restauration dont il parle ici. The removal of Israel from slavery. Le déplacement d'Israël de l'esclavage. So he can restore Israel from slavery. Alors, il peut restaurer Israël de l'esclavage. Remember, at that time is when Israel was being set free. Souvenez-vous, dans ce temps où Israël a été rendu libre from slavery. De l'esclavage. That's the first level of restoration.
C'est le premier niveau de restauration. The second level of restoration. Le deuxième niveau de restauration. Is what the Hebrew people normally say during the Passover. C'est ce que le peuple hébreu a normalement dit pendant la Pâque. Which they have been told to commemorate. Qu'on leur a dit de commémorer. As a lasting ordinance by Jehovah. Comme une ordonnance perpétuelle de Jéhovah. Lasting covenant. Une alliance perpétuelle. They always reflect on the need to be restored again. Toujours ils reflètent le besoin de restaurer encore. Back to the Lord. De retourner au Seigneur. So there are two levels of restoration there. Il y a deux niveaux de restauration ici. But as you read on in verse 12, he says, on that same night, I'll pass through Egypt and strike down every firstborn, both men and animals, and I'll bring judgment on all the gods of Egypt. Mais quand vous lisez le verset 12, il dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. I am the Lord. Je suis l'Éternel. The blood will be a sign for you on the houses where you are, and when I see the blood, I'll pass over you. No destructive plague will touch you. When I strike Egypt. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. This is a day you are to commemorate for the generations to come. You shall celebrate it as a festival unto the Lord. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. A lasting ordinance for 7 days you are to eat bread made without yeast. You see, he's emphasizing again bread made without yeast. Pendant ces jours, vous mangerez des pains sans levain, sans levure. Vous voyez, il est en train de mettre de nouveau en relief des pains sans levain. And he continues, on the first day, remove the yeast from your houses. For whoever eats anything with yeast in it from the first day through the seventh must be cut off from Israel. Et il continue. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au septième jour sera retranchée d'Israël. So he's emphasizing that they are to eat bread without yeast. Alors, il met en relief le fait qu'ils doivent manger du pain sans levain. But, most importantly, mais plus important, during the 7 days, from the 7th to the 14th day, pendant les 6 jours, du 7e jusqu'au 14e jour, they shall, prior to that, remove all form of yeast from their houses. Ils doivent préalablement enlever toute forme de levure dans leur maison. And I guess as a church you're beginning to see the revelation he's talking about there. Et je devine que vous êtes en train de commencer à voir la révélation dont il est parlé ici. The need for repentance. Ce besoin de repentance. I'll speak to you on what yeast stands for. Je vais vous parler de ce que la levure représente. And he says, whoever eats anything with yeast is to be cut off. That means death. Et il dit, celui qui mange quoi que ce soit avec de la levure doit être retranché, ce qui signifie mort. Alléluia. Alléluia. Whoever does not repent, we'll look at that in greater depth. Quiconque ne se repent pas, nous voulons voir ça plus profondément. Verse 16. On the first day hold the sacred assembly, and another on the seventh day. Do not work on all these days except to prepare food for everyone to eat. That is all you may do. Verset 16. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Et le septième jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. This is the lasting ordinance Jehovah was passing over to them. C'était l'ordonnance éternelle que Jéhovah était en train de leur passer.
And there is a deep message embedded to the church in this. That's why I'm reading this. Et il y a un profond message pour l'Église dans ceci. Et quand je suis en train de lire ceci. And it says, verse 17, celebrate the feast of unleavened bread. Now look at that. The feast of bread without yeast, unleavened bread, because it was on this very day that I brought your divisions out of Egypt. Et il dit au verset 17, vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. So you see the liberation, the first level of the deliverance I was talking about. Et vous voyez la libération, le premier niveau de délivrance dont j'étais en train de parler. Why the Holy Communion or the Passover stands for deliverance. Pourquoi la Sainte Communion ou la Pâque signifie délivrance? Stand for the restoration of Israel from Egypt, from slavery. Et ensuite, pour la restauration d'Israël, d'Égypte, de l'esclavage. And I'll take you systematically. Et je vais vous amener systématiquement. Step by step. Pas à pas. So you may see the contemporary. Alors vous voyez, vous pouvez voir la coïncidence of what the Lord was speaking through this scripture to the church. À propos de ce que le Seigneur était en train de dire à travers cette écriture à l'Église. That she may be delivered. Pour qu'elle puisse être délivrée. That was speaking about her deliverance from spiritual Egypt. Ce qui est en train de parler de sa délivrance de l'Égypte spirituelle. And he says, I repeat verse 17. Celebrate the feast of the unleavened bread, because it was on this very day that I brought your divisions out of Egypt. Et encore, je répète le verset 17. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Again, he says, celebrate this day as a lasting ordinance for generations to come. In the first month, you are to eat bread without yeast. He repeats it there, somebody. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain. Il le répète ici. From the evening of the 14th day until the evening of the 21st day. For 7 days, no yeast is to be found in your houses. He's repeating that. No yeast be found there. And I walk you on what yeast stands for. Le 14e jour du mois, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au 21e jour, pendant 7 jours. Et il le répète, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons. Je vais marcher avec vous pour vous expliquer ce que ça signifie. Why is he overemphasizing bread without yeast? Pourquoi est-ce qu'il met encore en relief du pain sans levure? Unleavened bread. Du pain sans levain? No yeast be found in the house. Pas de levure ne doit être trouvée dans la maison. Remove all yeast. Enlevez toute levure. Whoever eats yeast cut off. Donc, mange de la levure et retranché. Why is he emphasizing these things? That was the message of the church. Pourquoi est-ce qu'il met ces choses en relief? Quel est le message pour l'Église? And whoever eats anything with yeast in it must be cut off. He repeats that. Car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée. Il le répète. Alléluia. Alléluia. From the community of Israel, whether he is an alien or a native born, eat nothing made with yeast. Wherever you live, you must eat unleavened bread. What an emphasis the Lord is making here. De l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point de pain levé. Dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. Et quel relief le Seigneur est en train de faire ici. Verse 21. Le verset 21. Then Moses summoned all the elders of Israel and said to them, go at once and select the animals for your families and slaughter the Passover lamb. Verset 21. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immolez la Pâque. Verse 22. Take a bunch of hyssop, dip it into the blood in the basin, and put some of the blood on the top and on both sides of the door frames. Not one of you shall go out of the door, out of his house, until morning. Verset 22. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope,
vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. And he says, when the Lord goes through the land of Egypt to strike down the Egyptians, he will see the blood on top and the sides of the door frames, and will pass over that doorway, and he will not permit the destroyer to enter your houses and strike you down. Alléluia. Et il dit, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Alléluia. Listen to this now. Écoutez ça maintenant. He says, obey these instructions as a lasting ordinance for you and your descendants. Il dit, vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. So he's talking about the blood of the Passover lamb that is going to be put on the door frame. Alors il est en train de parler du sang de l'agneau pascal qui a été mis sur le linteau de la porte. That will protect them when the Lord passes judgment in the land. Quand il les protège, quand le Seigneur passe pour frapper le pays. Judgment comes over the land of Egypt. Le jugement vient sur le pays d'Égypte. And I'll tell you exactly what this stands for in the church. Et je vais vous dire exactement ce que ça signifie pour l'Église. But I'm reading this as a background scripture so you may be able to be rooted, to be deep. Alors je lis comme une écriture de base pour que vous puissiez être enraciné, puissiez être profond. To understand what God was speaking to the church. Pour comprendre ce que le Seigneur est en train de dire à l'Église. Already during the Passover. Déjà pendant la Pâque. And what each specific element of the Passover speaks to the church today. Et comme cet élément spécifique de la Pâque parle à l'Église aujourd'hui. That is the reason that the new covenant of the grace of our Lord Jesus. Ça c'est la raison pour laquelle la nouvelle alliance de la grâce de notre Seigneur Jésus is actually the complete Bible, both the Old Testament and the New Testament. Est actuellement la Bible complète, l'Ancien et le Nouveau Testament. So there's a lot within the Old Testament. Il y a beaucoup dans l'Ancien Testament that tallies or that speaks to the New Testament. Qui parle au Nouveau Testament. Which the church needs to know. Que l'Église a besoin de savoir. If she is to mature up and be a perfect bride of Christ. Si elle est mature et une parfaite épouse de Christ. Alléluia. Alléluia. And so he says here again. Et alors il dit ici encore. Verse 24. Obey these instructions as a lasting ordinance for you and your descendants. When you enter the land that the Lord will give you as he promised, observe this ceremony. Which means keep it as a lasting ordinance. Au verset 24. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré, ce qui signifie une ordonnance perpétuelle. You see that in the Holy Communion, vous voyez que la Sainte Communion, the Lord was saying, do this in remembrance of me. Le Seigneur était en train de dire, faites ceci en mémoire de moi. All the time, a lasting ordinance. Toutes les fois, une ordonnance est perpétuelle. As you remember me, you see it being reflected here, somebody. Comme vous vous souvenez de moi, vous voyez, ça a été reflété ici. And he says, and when your children ask you, what does this ceremony mean to you? Tell them, it is the Passover sacrifice unto the Lord, who passed over the houses of the Israelites in Egypt and spared our homes. When he struck down the Egyptians. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte. Now, then the people bowed down and worshipped. You see that? Le peuple s'inclina et adora. Vous voyez ça? Then the people bowed down and worshipped. The Israelites did just as the Lord had commanded Moses and Aaron.
Le peuple s'inclina et adorait. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et furent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Now listen to verse 29. Maintenant, écoutez le verset 29. At midnight, the Lord struck down all the firstborn in Egypt, from the firstborn of Pharaoh who sits on the throne, to the firstborn of the prisoner who sits in the dungeon, and the firstborn of all the livestock as well. Au verset 29. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Verse 30. Pharaoh and all the officials and all the Egyptians got up during the night, and there was a loud wailing in Egypt, for there was not a house without someone dead. Verset 30. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens. Il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y ait eu un mort. Verse 31, he says, during the night, Pharaoh summoned Moses and Aaron and said, up, leave my people, you and the Israelites. Go worship the Lord as you have requested. Take your flock and herds with you, as you have said, and go, and also bless me. Au verset 31, il dit, dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel, comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Verse 33. The Egyptians urged the people to hurry and leave the country, for otherwise they said, we will all die. So the people took their dough before the yeast was added, look at that, and carried it on their shoulders in kneading troughs and wrapped in cloths. Verset 33. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient, nous périrons tous. 34. Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle soit levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. The Israelites did as Moses instructed and asked the Egyptians for clothing, for articles of silver and gold and clothing. And the Lord had made the Egyptians favorably disposed towards the people, and they gave them what they asked for. So they plundered the Egyptians. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Verse 37, he says, the Israelites journeyed from Ramesses to Sukkot. There were about 600,000 men on foot besides women and children. Many of the people went up with them as well in large droves of livestock, both flocks and herds. With the dough they had brought from Egypt, they baked cakes of unleavened bread. The dough was without yeast because they had been driven out of Egypt and did not have time to prepare food for themselves. Verset 37. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'était pas levée, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder et sans prendre des provisions avec eux. Verse 40. Now the length of the time the Israelites had lived in Egypt was 430 years. At the end of the 430 years, to the very day, all the Lord's divisions left Egypt, because the Lord kept vigil that night to bring them out of Egypt. On this night, all the Israelites are to keep vigil to honor the Lord for generations to come. Verset 40. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel parce qu'elle les fit sortir du pays d'Égypte.
cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. Alléluia. Alléluia. On the Holy Communion. Vous voyez ce qui est intégré dans toute l'Écriture à propos de la Sainte Communion. And so surely we need the wisdom of the Holy Spirit. Et alors, certainement, nous avons besoin de la sagesse du Saint-Esprit. To be able to understand every little message that's embedded within the Scripture. Pour être capable de comprendre chaque petit message qui est intégré dans cette Écriture. He's talking about the unleavened bread. Il est en train de parler du pain vivant. He's talking about the sacrificing of the Passover lamb. Il est en train de parler du sacrifice de l'agneau pascal. Alléluia. Alléluia. And then he's talking about. Et ensuite, il parle à propos. The divine appointment. Going to the city, you'll meet a man. Le rendez-vous divin. Allez à la ville et vous allez rencontrer un homme. That man was already set up. Cet homme aura déjà préparé. The church has been set up with a man. L'église a été préparée par un homme. Water, the Holy Spirit, carrying a jar of water. L'eau du Saint-Esprit. Il porte une jarre d'eau. And he will show you the upper room. Et il va vous montrer la chambre haute. Alléluia. Alléluia. The upper room being the most important indication, the prophecy the Lord is speaking about. La chambre haute étant la plus importante indication, la prophétie dont le Seigneur est en train de parler. The visitation of the Holy Spirit unto the church. La visitation du Saint-Esprit sur l'Église. The day of Pentecost. Le jour de Pentecôte. So when it comes to the Holy Spirit, quand il s'agit du Saint-Esprit, he's already speaking to the church about the upper room. Il parle déjà à l'Église à propos de la chambre haute. And take it to another level, he said. Et en le mettant dans un autre niveau, il dit, he will show you a large room well furnished. Il veut vous montrer une large chambre bien meublée. Now, that is the next level. Maintenant, c'est le niveau suivant. In which the Lord is hinting the church about his exit. Dans lequel le Seigneur fait entendre à l'Église à propos de sa sortie. And he's saying, et il dit, he is going to exit the scene. Il va sortir de la scène. And go prepare a well-furnished place for the church. Et aller préparer une place bien meublée pour l'Église. Alléluia. Alléluia. And he says, he will show you a large upper room, verse 12. Et il dit, il va vous montrer une large chambre haute, le verset 12. All furnished, make preparations there. Une grande chambre haute, meublée, c'est là que vous préparerez la Pâque. They left and found things just as Jesus had told them, so they prepared the Passover. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. When the hour came, Jesus and his apostles reclined at the table, and he said to them, I have eagerly desired to eat this Passover with you before I suffer. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. So you see there, it's a moment of anticipation. Alors vous voyez là, c'est un moment d'anticipation. It's a moment of eagerness. C'est un moment d'empressement. I have waited. I've been so eager, I've eagerly waited for this moment. J'ai attendu, j'ai été si empressé, j'ai attendu ardemment ce moment. The Holy Spirit becomes a place of anticipation. Le Saint-Esprit devient une place d'anticipation. When it comes to the Holy Communion. Quand la Sainte Communion vient. Now the Lord is talking about, I anticipated, I've eagerly waited, I've been anticipating. J'ai anticipé, j'ai passionnément attendu.
J'ai été en train d'anticiper. Alléluia. Alléluia. This moment when I can eat with you this Passover. Ce moment quand je peux manger avec vous cette Pâque. For I tell you, I'll not eat it again until it finds fulfillment in the kingdom of God. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. He is now already hinting on the rapture of the church. Il leur fait maintenant comprendre à propos de l'enlèvement de l'Église. Because he says he will not eat again. Parce qu'il dit, je ne veux pas en manger encore. And in other scriptures also in the Bible it says, I will not drink again of the fruit of this vine. Et dans une autre écriture dans la Bible, il dit, je ne vais pas en boire encore de ce vin. Until it finds fulfillment in the kingdom of God. Avant que ce soit accompli dans le royaume de Dieu. Or eat again this supper with you. Ou bien manger encore ce souper avec vous. Until it finds fulfillment in the kingdom of God. Avant que ce soit accompli dans le royaume de Dieu. In other words, the Lord is hinting on the book of Revelation. En d'autres mots, le Seigneur nous fait comprendre dans le livre de l'Apocalypse, chapter 19, le chapitre 19, verses 7 all the way to 9, but especially verse 10 aux cieux. And then at that moment, et ensuite, à ce moment, I'll look back to the time of the Passover. Ensuite, à ce moment, je vais retourner au temps de la Pâque. During the feast of the unleavened bread. Pendant la fête des pains sans levain. That our Lord God ordained. Que notre Seigneur Dieu a ordonné. He ordained unto Israel when Israel was in Egypt. A ordonné à Israël quand Israël était en Égypte. During the moment when Israel was being liberated from slavery. Pendant le moment où Israël était libéré de l'esclavage. The 430 years of slavery. 430 ans d'esclavage. The Lord he ordained the feast of the unleavened bread. Le Seigneur, il a ordonné la fête des pains sans levain. And we'll look at the events during Passover. Et nous voulons regarder à la fête de la Pâque. And how at that time the Lord God in heaven. Et comment dans ce temps où notre Seigneur Dieu dans les cieux was essentially speaking a prophecy to the church of Christ. Était essentiellement en train de dire une prophétie à l'église de Christ. He was essentially revealing to the church that which she needs to do. Il était essentiellement en train de dire à l'église ce qu'elle avait besoin de faire. So I'll look at the specific elements of the Holy Communion. Alors je veux voir les éléments spécifiques de la Sainte Communion. And the Passover. Et la Pâque. And then the deep revelation that's embedded in thereof. Et aussi la profonde révélation qui est intégrée là-dedans. To the church, pour l'Église. Especially for such a time as this during the rapture of the church. Et spécialement pour un temps tel que celui qui concerne l'enlèvement de l'Église. And again, our lead scripture here is the book of Luke, chapter 22. Et encore, notre écriture guide ici est dans l'évangile de Luc, chapitre 22. Verses 7 and 13. Versets 7 à 13. Looking at the Holy Communion, the Last Supper. Regardant la Sainte Communion, le dernier souper. This is what he says. Voilà ce qu'il dit. Then came the day of the unleavened bread. Le jour des pains sans levain. On which the Passover lamb had to be sacrificed. Où l'on devait immoler la Pâque arriva. You begin to understand right away. Vous commencez à comprendre juste là. That when he is coming to talk about the Holy Communion. Quand il vient à parler de la Sainte Communion. He talks about the day of the unleavened bread. Il parle à propos du jour des pains sans levain. He begins to talk about the unleavened bread, and I will spend quite a bit of time revealing to you. Il commence à parler à propos des pains sans levain, et je veux bien passer un peu de temps à vous révéler why, when it comes to the Holy Communion, pourquoi, quand il s'agit de la Sainte Communion, the Lord he begins to talk about the unleavened bread. Le Seigneur, il commence à parler à propos du pain sans levain. And then after that, et ensuite après ça, he also talks about when the Passover lamb had to be sacrificed. Il parle aussi à propos de quand l'agneau de Pâques a à être sacrifié. So he talks about two events there right away. Il parle à propos de deux événements ici, justement. He talks about two main features
of the Holy Communion. Il parle à propos de deux traits importants dans la Sainte Communion. And the first feature he's talking about, et la première particularité est en train de parler à propos, is the unleavened bread, du pain sans levain. And then the next feature he's talking about, et ensuite la particularité suivante parle de, is the Passover lamb, c'est l'agneau pascal. Again, the first element he talks about, encore le premier élément parle à propos, is the presence of the unleavened bread, which stands for holy bread. C'est la présence du pain vivant, du pain saint. Very soon I will speak with you. Très prochainement, je vais parler avec vous. In greater depth about the unleavened bread. D'une manière plus profonde à propos du pain vivant. And then after that, it talks about the Passover lamb. Et ensuite, après ça, il parle à propos de l'agneau pascal. That has to be sacrificed. Qui a à être sacrifié. And that's why he says. Et c'est pourquoi il dit. Then came the day of the unleavened bread. Ensuite vient le jour du pain sans levain. On which the Passover lamb had to be sacrificed. Où l'agneau pascal a à être sacrifié. Jesus sent Peter and John saying. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant. Go and make preparations for us to eat the Passover. Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Verse 9. Where do you want us to prepare for it? They asked. Le verset 9. Ils lui demandèrent. Où veux-tu que nous la préparions? He replied. Il leur répondit. As you enter the city, a man carrying a jar of water will meet you. Voici, quand vous serez entré dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Follow him to the house that he enters. Suivez-le dans la maison où il entrera. And say to the owner of the house. Et vous direz au maître de la maison. The teacher asks. Le maître te dit. Where is the guest room where I may eat the Passover with my disciples? Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? He will show you a large upper room. Et il vous montrera une grande chambre haute. All furnished, make preparations there. Meublé, c'est là que vous préparerez la Pâque. You begin to see right away the revelation that's embedded within the Holy Communion, the Last Supper. Commencez à voir juste là la révélation qui est intégrée dans la Sainte Communion, le dernier repas. You see that when it comes to the Holy Communion. Vous voyez là quand il s'agit de la Sainte Communion. The Lord is talking about unleavened bread. Le Seigneur est en train de parler de du pain sans levain. Which is holy bread. Qui est du pain saint. And then it talks about the sacrificing of the Passover lamb. Et ensuite, il parle du sacrifice de l'agneau pascal. And after that, as you go down, he says. Et après ça, quand vous allez plus loin, il dit. Peter and John, go into the city. You will meet there a man carrying a jar of water. Pierre et Jean, allons dans la ville. Vous allez rencontrer un homme portant une cruche d'eau. So right away you begin to understand. Juste là, vous commencez à comprendre. That the Holy Communion essentially speaks about divine appointment. Que la Sainte Communion essentiellement parle à propos d'un divin rendez-vous. There is a divine appointment here. Il y a un rendez-vous divin ici. There is a divine appointment. C'est un rendez-vous divin. That the church has with the Lord and the Holy Spirit. Que l'Église avec le Seigneur et le Saint-Esprit. When it comes to the Passover, it speaks about the divine appointment. Quand il s'agit de la Pâque, il parle à propos d'un rendez-vous divin. The church has. Que l'Église a. With the Holy Spirit. Avec le Saint-Esprit. And down there, what do you see? Et plus bas, qu'est-ce que vous voyez? He will show you an upper room. Il veut vous montrer une chambre haute. Now that's the first time the Lord is already talking about the upper room to the church. Alors c'est la première fois que le Seigneur est en train de parler d'une chambre haute pour l'Église. I'm just breaking it for you bit by bit. Je suis juste en train de casser pour vous morceau par morceau. Into specific elements to help you understand where I'm heading with you. Pour vous aider à comprendre où est-ce que je vais vous emmener. With this teaching. Avec cet enseignement. And so he's talking about the upper room now. He says there is going to be a divine appointment. Alors il est en train de parler de la chambre haute maintenant. Il dit, il va y avoir un rendez-vous divin.
You're going to meet a man carrying a jar of water. Water is very critical. Water is a symbol of the Holy Spirit. Vous allez rencontrer un homme portant une cruche d'eau. L'eau est très importante. C'est un symbole du Saint-Esprit. And this divine appointment, this man that you meet, et ce rendez-vous divin, cet homme que vous rencontrez, will take you to a place, and then the owner of the house will show you an upper room. Vous amenez à une place, et ensuite le propriétaire de la maison va vous amener dans une chambre haute. Now that is the place of divine appointment, if you remember very well. Alors, ça c'est une place de rendez-vous divin, si vous vous souvenez très bien. Between the church and the Holy Spirit, the upper room. He's talking the upper room to the church. Entre l'église et le Saint-Esprit, la chambre haute, il est en train de parler de la chambre haute de l'église. And after that, et après cela, you see that he says he will show you a room that is well furnished. Il va vous montrer une chambre qui est très bien meublée. Make preparations there, which means there is a room that is going to be prepared already. Vous préparerez. Ça signifie qu'il y a une chambre qui est déjà préparée. In other words, Christ is already at Holy Communion. Dans d'autres mots, Christ est déjà à la Sainte Communion. Hinting to the church about his exit. Laissons entendre à l'église à propos de sa sortie. How he is going to exit the scene, the world. Comment il va sortir de la scène, le monde. And he's going to be able to go up and make preparations of a furnished room. Et il va être en mesure de monter et de faire la préparation dans la chambre meublée. You see what is embedded in all this. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Welcome to this mighty and glorious teaching. Bienvenue à cet enseignement puissant et glorieux. On the Holy Communion. Sur la Sainte Communion. And the rapture. Et l'enlèvement. This is a mighty revelation. C'est une grande révélation. That the Holy Spirit has given me regarding the Holy Communion. Que le Seigneur m'a donné regardant la Sainte Communion. In other words, also called the Last Supper. En d'autres mots, ça s'appelle aussi le dernier souper. And the rapture of the church. Et l'enlèvement de l'Église. Now, this teaching has several parts. Alors, cet enseignement a plusieurs parties. And the more it advances, the deeper it gets. Le plus ça avance, et le plus ça deviendra profond. But again, as it advances, you see lots of deep revelation. Et encore, alors que ça avance, vous allez voir de profondes révélations. Deeper insights. Plus grandes perspectives. Into the Holy Communion, the covenant. Dans la Sainte Communion, l'alliance. That the Lord Jesus had with the church. Que le Seigneur Jésus a eu avec l'Église. Even before he went and died for the sins of the world. Même avant qu'il soit allé mourir pour les péchés du monde. And resurrected. Et qu'il soit ressuscité. And went to sit at the right hand side of the Father, our Lord in heaven. Et qu'il soit allé s'asseoir à droite de notre Père dans les cieux. Now, just to begin as a background here in this mighty teaching. Maintenant, juste pour commencer comme un fond de ce puissant enseignement. Looking at the Holy Communion. Regardons à la Sainte Communion. And the rapture of the church. Et l'enlèvement de l'Église. I want to mention a few things about the Holy Communion and the rapture. J'aimerais mentionner un peu de choses à propos de la Sainte Communion et de l'enlèvement. How is the Holy Communion related to the rapture of the church? Comment la Sainte Communion est en relation avec l'enlèvement de l'Église? Now we all know that the Holy Communion. Maintenant, nous savons tous que la Sainte Communion is a very central part of church. C'est une partie très centrale dans l'Église. Even part of the practice in the house of the Lord. Même une partie de la pratique dans la maison du Seigneur.
Because the Holy Communion, parce que la Sainte Communion, is the one that reminds us of the mighty covenant of the blood of Jesus. Est celle qui nous rappelle la puissante alliance du sang de Jésus. It is that moment that also reminds us. C'est aussi ce moment qui nous rappelle of the blood that Jesus shed. Que le, à propos du sang que Jésus a versé. For the church in order to purchase her. Pour l'Église, dans le but de la racheter. So she can be a perfect bride unto him. Et elle peut être sa parfaite épouse. On the day of the rapture. Au jour de l'enlèvement. But we also know that the Holy Communion. Nous savons aussi que la Sainte Communion. Is a pre-wedding covenant. C'est une pré-mariage alliance. That the Lord Jesus he had with the church. Que le Seigneur Jésus a eu avec l'Église. His bride. Son épouse. Just to reflect on it a little bit. Juste pour méditer là-dessus un peu. Our lead scripture today, notre écriture guide aujourd'hui. In this teaching, dans cet enseignement. Is going to be on the book of Luke, va être dans l'évangile de Luc. Again, the lead scripture, encore l'écriture guide. In this teaching, dans cet enseignement. Is going to come from the book of Luke, chapter 22, va venir de l'évangile de Luc chapitre 22. Verses 7 to verse 13. Verset 7 au verset 13. And as I look at the Holy Communion. Et comme je regarde à la Sainte Communion. I'm going to examine several very important elements of the Holy Communion. Je m'en vais examiner plusieurs éléments importants de la Sainte Communion. I'm going to dissect it for you, open it for you, even in the Holy Spirit. Je m'en vais disséquer pour vous, l'ouvrir pour vous, même dans le Saint-Esprit. There are several elements of the practice of the Holy Communion. Les nombreux éléments dans la pratique de la Sainte Communion. In the church. Dans l'Église. As ordained by the Lord God our Father in heaven. A été ordonné par le Seigneur Dieu, notre Père. Nine. Le verset 7 à 9, mais spécialement le verset 9. Where he says. Où il dit. The angel said to me, write, blessed are those who are invited into the wedding supper of the Lamb of God. L'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau de Dieu. So you see that the Holy Communion. Alors vous voyez que la Sainte Communion is very much tied est très liée into the rapture of the church. À l'enlèvement de l'Église. Because it is at the Holy Communion. Parce que c'est lors de la Sainte Communion that the Lord is making promises to the church. Que le Seigneur a fait des promesses à l'Église. That he will not eat again of this. Qu'il ne mangera plus de ceci. Or he will not drink again from the fruit of this vine. Ou qu'il ne boira plus du fruit de ce vin. Until it is fully accomplished and fulfilled. Avant que ce soit pleinement accompli. In the kingdom of God. Dans le royaume de Dieu. At this juncture, I just want to highlight the following. À cette jointure, je veux juste donner une explication. That the Holy Communion. Que la Sainte Communion. At the Holy Communion. À la Sainte Communion. Christ, when he met his bride. Mais quand il a rencontré son épouse. At that time, he lived in that culture. The Hebrew culture. Dans ce temps, il vivait dans cette culture, dans la culture hébraïque. And in the Hebrew culture, when a young man is going to marry. Et dans la culture hébraïque, quand un jeune homme va se marier. And he finds his bride. Et quand il a trouvé son épouse. He takes the bride to the parents. Il amène la fille chez les parents. Her parents. Les parents d'elle. And they drink from the same glass of wine. Et ils boivent dans le même verre de vin. Red wine. Du vin rouge. As a sign of pre-wedding covenant. Comme un signe d'alliance de pré-mariage. Of faithfulness. De fidélité. It is like, will you remember me? Will you wait for me? C'est comme, est-ce que tu vas te souvenir de moi? Est-ce que tu vas m'attendre? That is what you can translate in modern day language. Et ça, c'est ce que vous pouvez traduire dans un langage moderne. As the pre-wedding engagement ring or covenant. Comme un anneau d'engagement, d'alliance, de pré-mariage. And so you see that already at the time when he finds the church. Alors vous voyez que
déjà au moment où il trouve l'église. He does the same thing with the church, his bride. Fait la même chose avec l'église, son épouse. He already brings out the glass of wine which you are going to see here. Il apporte déjà le verre de vin que vous allez voir ici. And he's eating this pre-wedding covenant. Et il mange ce pré-mariage alliance. He's going into this covenant with her. Il va à cette alliance avec elle. And he said, I will not eat it again. Il dit, je ne veux pas en manger encore. Until it finds fulfillment in the kingdom of God. Avant que ce soit accompli dans le royaume de Dieu. In other words, until the day of the wedding supper of the Lamb of God. En d'autres mots, jusqu'au jour des noces de l'agneau de Dieu. Immediately after the rapture has taken place. Alléluia. Immédiatement après que l'enlèvement ait pris place. Alléluia. And look at this, somebody. Et regardez ça. He says, verse 17, after taking the cup, he gave thanks and said, take this and divide it among you, for I tell you, I will not drink again of the fruit of the vine until the kingdom of God comes. Il dit au verset 17, et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. So you see that he's now connecting the last supper with the rapture of the church. Alors, vous voyez que maintenant il est en train de connecter le dernier repas avec l'enlèvement de l'église. Because the kingdom of God will only come when the rapture of the church takes place. Parce que le royaume de Dieu viendra seulement quand l'enlèvement de l'église aura pris place. That's when the church is fully, completely redeemed. C'est quand l'église est entièrement, complètement rachetée. The holy and glorious church. L'église sainte et glorieuse. That is the bride of Christ, the holy church. Qui est l'épouse de Christ, la sainte église. That's when she is redeemed and enters into the kingdom of God. C'est quand elle est rachetée et entre dans le royaume de Dieu. So the kingdom of God becomes established in the church. Alors le royaume de Dieu devient établi dans l'église. Alléluia. Alléluia. And that happens at rapture.